Bonsoir. Hop, hop, hop. Jamais je m'y ferai. Hein. Oh, pardon. Bonsoir. Bonsoir à Renaud Taku. Bonsoir Speedtoren. Bonsoir à Normando. Bonsoir les autres. Bienvenue. Bienvenue dans ce tenté antépénultième stream avant les vacances. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdu. Qui va te consacrer ce soir au grand jeu de la Dreamcast, à savoir Shenmue, auquel je n'ai pas joué depuis, je pense, 20 ans, parce que je me souviens avoir fait la sortie, l'avoir fait quand j'étais étudiante, et après, je pense pas l'avoir relancé. Donc on va se refaire un nouveau run sur une nouvelle sauvegarde. Sachant que j'ai regardé mon VMU avant de commencer, et j'ai bien fait attention de garder une sauvegarde à un moment où j'ai plein de thunes, et pas de contraintes de temps, donc je pourrais toujours retourner faire du Excite QTE ou des machines à sous à l'infinite hein, quand je voudrais. Moi, c'est un classique de la console et c'est un jeu de Noël. C'est un jeu de Noël parce que on peut voir le Père Noël si on traîne un petit peu trop dans les rues de Yokosuka. Bonsoir Astanos, c'est Gaston l'arcade, mais bonsoir quand même, bonsoir Astanos. Et 88 blocs, peut-être, je sais plus. Mais de toute façon, c'est aussi l'occasion de traîner. Vous voyez pas parce que j'ai pas mis l'écran rétroéclairé, mais j'ai traîné pour de bon mon VMU2 dont j'ai écrit le test pour Sega Mag que je m'étais commandé sur Indiegogo, dont l'écran est 16/9 et pas ouf pour les mini-jeux, mais qui permet d'avoir un nombre infini de VMU dans un seul appareil, hein, ce qui est quand même le grand luxe. C'est hyper pratique, hein, on n'a plus besoin de switcher entre 90 VMU différents, surtout quand on a un GDMU, ce qui est mon cas. Mais effectivement, vous en avez parlé sur le chat avant que je prenne l'antenne, comme dirait Gilux et le Bon Zitrone. Hein. Il faut qu'on parle des annonces de Sega. Voilà, parce qu'effectivement, on s'est quitté jeudi après Landstalker hein, et avant la Game Awards. Je ne sais pas si vous avez un petit peu parlé de la question avec Zeros. Est-ce que vous avez kiffé les annonces de Sega au Game Awards? Voilà, c'est ça la question. Est-ce que vous êtes confiant? Quel jeu vous rend plus confiant également? Alors moi, je ne vous cache pas que je suis hyper confiante pour Shinobi. Personnellement, je suis hyper confiante pour Shinobi. C'est clairement les Arcube et Benfica au design derrière. Ils savent faire le taf. Donc voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je suis assez confiante pour Jet Set Radio parce que je pense que déjà visuellement ça pète. Faudra voir la qualité des jeux, mais en tout cas ça fait plaisir. Ouais, tout à fait, ouais. T'es pas confiante, bah, je suis confiante. Alors je suis confiante pour Shinobi, je suis plutôt confiante pour JSR parce que déjà les graphismes respectent l'esprit du jeu. Il y a un côté, voilà, un super cel shading, et j'aime bien ce qu'ils ont fait, globalement, visuellement. On verra le gameplay, mais ça, on sait pas. Arun Otaku, j'ai peur, du coup, j'attends rien. Je suis moyen confiante pour Crazy Taxi, qui sera clairement un jeu multi. Donc, ça peut être très rigolo, comme ça peut être hyper mal foutu. Ouais, la DA est bien, c'est pas mal, entre tradition et modernité, quoi. Voilà, un peu comme ce petit archipel montagneux qu'est le Japon. Donc un équilibre entre tout ça. Je suis moyen confiante pour Golden Axe, qui est clairement dans un stade pré-alpha. C'est sûr. Enfin, là, vu ce qu'on a vu, c'est de la pré-alpha. Street of Rage, ouais, ça a l'air nul à chier. Alors, clairement, SOR, quand on voit les modèles 3D de près, ce qu'ils ont fait, donc ils n'ont pas été timides là-dessus, on est avant la pré-alpha. Là, on est avant l'après-alpha. Pour moi, c'est limite du proof of concept. Ils ont fait une arène, quatre persos, des décors, un peu d'éclairage, un peu de bagarre. Pour moi, il ne faut pas s'arrêter sur la technique de Street of Rage. Par contre, on peut voir la note d'intention. On voit la note d'intention. Donc, c'est du combat en arène, peut-être. Parce qu'on ne dirait pas qu'il y a de la matière à faire du scrolling. C'est du combat en vrai 3D. Avec une vue un peu éloignée. Donc, à la Spike Out Power Stone. Et on voit Axel mettre des coups de... des bourrées de coups de poing à un mec au sol. Moi, je suis cliente. Voilà, moi, je suis cliente. Donc, au moins, l'initiative est vraiment à saluer. C'est une initiative à saluer. Sega en parlait depuis 2-3 ans dans ses rapports aux actionnaires. Ça fait zizir, hein. Ça fait clairement zizir. Ils en parlaient, Sega, depuis plusieurs années. Hein. Ils en parlaient du fait de relancer des IP historiques. Donc ça c'est une bonne chose. Et effectivement, on avait vu le carton final du trailer avec un petit
Endemore après les 5 titres. Aujourd'hui, on a appris, Sega a révélé qu'ils avaient également déposé ou redéposé des marques, donc avec Outrun, Kid Chameleon, PSO et Eternal Champions. Donc peut-être que le rêve humide de Rastanos, à savoir effectivement un MMO Kid Chameleon, peut arriver. On n'est pas à l'abri. Tout comme on n'est pas à l'abri qu'il se passe rien du tout. Hein. Un dépôt de marque, c'est juste une façon de s'assurer que les droits leur appartiennent toujours. Et, bonsoir, monsieur Barumba. Ah, enfin quelqu'un de motivé pour Golden Axe. J'aime cette énergie. Golden Axe, c'est une bonne série. Je dirais pas super. C'est une bonne série qui a du potentiel. Qui a du potentiel de fun. Et d'ailleurs, on voit sur le trailer. Qu'on a des montures. On voit également, alors c'est soit de la coop, hein, et certainement du coup uniquement en online, hein, parce que je vois pas du tout avec la vue de la caméra là du coop local, hein, soit avoir un compagnon qui nous accompagne, comme fait tout beau compagnon, parce que c'est compagnon. Voilà, on sait pas encore. Ça sent pas bon, mais ça sent pas mauvais non plus pour l'instant. Je pense que Shinobi sortira en premier, et on verra les suivants dans les années à venir. Hein. Moi, j'attends évidemment Outrun avant tout, parce que certes, Outrun Online Arcade ou Outrun 2 sont les plus beaux jeux de course du monde, mais ça mérite quand même. Imaginez un Outrun avec la direction artistique d'Outrun Online Arcade et la technique de genre Forza Horizon 2, 5. Il y a un truc à faire, il y a clairement un truc à faire, et peut-être que Sega va rappeler Sumo Digital, qui avait fait un très bon taf sur les conversions. Donc, étant qu'il y a Tyris Flair en culotte, moi je signe. Moi ça me va. Qui suis-je pour juger? Alors, est-ce qu'elle sera en slip blanc? Est-ce qu'elle sera en slip rouge? Est-ce qu'elle aura un petit décolleté comme ci, comme ça? On ne sait pas. Voilà. Mais faut surtout qu'on voit les magies. Golden Axe, c'est les magies. Il faut qu'on voit les magies et les musiques. Voilà. Si les magies, elles pètent le feu, ce sera bon. S'ils comprennent ça, c'est tout bon. Et Kid Chameleon, alors, figurez-vous que... Alors, coïncidence, je ne sais pas. Mais il y a 5 ans de ça, 4 ans et demi, 5 ans, Ben Fiquet de Laser Cube s'est amusé à faire un petit essai, de concept art sur Kid Chameleon, où il avait redessiné un peu les différents persos et il s'est amusé à reproduire un écran du jeu. Dans son style à lui. Ça, c'était en 2018. Aujourd'hui, Dotemu, non, Lizard Cube, a retweeté ce tweet. Ou l'a liké plutôt. Alors, on n'est pas à l'abri. Ah, c'est pas du massacre de gnome, c'est du coup de pied au cul de gnome, Rastano, soyons précis. Écoutez, on est à l'abri de rien. On n'est pas à l'abri d'un retour d'Eternal Champions. Donc. Et ce qui a été confirmé aussi, c'est que ces retours de nouvelles IP font partie de l'initiative Super Game qui avait été annoncée par Sega il y a 2-3 ans. Donc, toutes les pièces du puzzle s'assemblent. Au lieu d'avoir une espèce de... Enfin, au lieu, non, mais... Au lieu ou en plus d'avoir un espèce de méga jeu là, triple A, game as service, multilingue, machin chouette, on aura peut-être une multitude de petits jeux qui reprennent des IP historiques, et donc avec une sortie dont je dirais d'aller jusqu'à 2026. Donc si Street of Rage ou Golden Axe sont dans la seconde partie, faut pas s'étonner de les voir dans l'état dans lequel ils sont actuellement. Moi je suis pas inquiète. Voilà. Moi, je suis pas inquiète. Avant de commencer, Shenmue, petit instant publicitaire, hein, puisqu'il est encore temps de voter pour les Sega Mag Awards, hein, dont je vais mettre le... Ah, ça marche pas. What? Tac. Ça n'a pas marché, dis donc. Attends, les Sega Mag Awards, voilà. Pour Knights, par contre, j'y crois pas. Knights, est-ce qu'il y a 3 social Yuji Naka? Est-ce qu'ils savent pas trop quoi en faire sur console moderne? Est-ce qu'ils sont vaccinés après la version Wii qui a été un fiasco? Pour l'instant, ils sont clairement dans les IP
16 bits, bien identifiés, avec des IP qui sont plutôt d'ailleurs axés USA. Hein. Kid Chameleon, Internet Champions, c'est plutôt américain. Donc, bon, pour l'instant, écoutez Knights, on verra plus tard. Vous pouvez donc voter pour les Sega Mag Awards, voter pour votre GOTY 2023, votre attente 2024 et votre titre le plus attendu dans les 5 qui ont été annoncés durant les Game Awards. Et si vous mettez un petit commentaire en bas de l'article, vous serez éligible au tirage au sort pour gagner un petit lot de goodies Sega. Et puisque j'en ai plein, je rajoute Total War Pharaoh sur PC. Voilà, donc c'est ouvert à tous, vous pouvez voter sans être inscrit sur le site, mais pour participer au petit concours, il faudra être inscrit et mettre un petit commentaire. Voilà, voilà, écoutez, je vous invite à voter, c'est jusqu'à dimanche, et on révélera les lauréats des prix lundi, en même temps que la sélection de l'année de la team Sega Mag. Voilà. Maintenant, important. Je sais pas. 120 000, peut-être que j'aurai un Pins Company of Heroes. En fait, ce sera beaucoup des pins, hein, je vous le dis ici, c'est beaucoup des pins. Peut-être un petit sac. Faut que je vois ce que j'ai en stock des salons. En tout cas, ce sera des goodies exclusives à des salons. Voilà. Parce qu'on partage, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, alors, important. Ce soir, donc, on va commencer Shenmue. Bonsoir, Pierrick. Bonsoir, Kazertox. Attendez, je bois un petit coup. Alors oui, message de service. On est tout proche des 15 abonnés. J'ai fait un peu des gifts, hein, parce que j'en ai ras-le-bol d'être à moins de 15. Sachez qu'il y a des réductions sur les subs, là, je crois, jusqu'au 2 janvier. Donc c'est le moment. Et en plus. Bonsoir, Taonu. Twitch a rajouté des gifs animés. Donc les abonnés à partir du niveau 1 ont de nouveaux gifs animés. Donc je pense que j'invite les abonnés actuels à un peu flex pour montrer ce qu'il y a. J'en ai rajouté 2-3, c'est un peu fait à l'arrache. On espéra de faire un peu mieux, parce qu'il reste 2 slots, hein, un peu mieux quand j'aurai un peu plus de temps. Mais voilà, il y a une nouvelle sélection de gifs animés. Donc faites-vous plaisir, allez-y, en plus c'est gratuit. Voilà, merci Speedtourun. Merci beaucoup. Et enfin, du coup, dernière chose, ce soir on joue à Shenmue. On joue à Shenmue sur Dreamcast, j'ai ma manette, j'ai ma console, tout est allumé. Mais on a le choix, puisque on peut soit jouer à la version Dreamcast d'origine qu'on a connue à l'époque, à savoir avec le doublage anglais. Merci pour ton abonnement, Kazertox. Merci, merci. Hey, salut Quix, comment ça va? Comment ça va? C'est la pause, hein. Écoute, bienvenue. Bah, tu tombes bien, tu tombes pile pour le sondage. Puisque je disais que... On peut soit jouer à Shenmue, enfin je joue, vous regardez, peut-être que selon Quix, vous êtes à la bonne place. Soit on joue la version d'origine de l'époque, c'est celle-là, avec... Mais moi je suis tout à fait confiante, hein, Quix, hein, y a pas de problème. Avec doublage anglais. Soit on joue à la version undub de Shenmue, qui est une version patchée avec les doublages japonais, sous-titres anglais. Et ils ont remis en plus les vraies marques pour les canettes aux distributeurs. Donc je vais lancer un petit sondage, un peu vous êtes nombreux, donc ce sera représentatif. Alors, Shenmue en anglais ou en japonais? Anglais, japonais. Voilà, donc est-ce qu'on aura « Have you seen a big black car ?» et I see. Où est-ce qu'on aura... je ne parle pas japonais, donc je pourrais pas vous le dire. La version doublée par Cyril Brevet. Ouais, alors, putain, j'ai pas très envie. Hein. En plus, je pense que... Enfin, Player One a fait partie des magazines français qui ont défoncé la Dreamcast. Et d'ailleurs, je crois que c'était dans Player One que quelqu'un avait dit que... Le DVD n'avait aucun... Non, ouf, c'est console plus. Ce qui veut dire que le DVD a zéro avenir. C'est trop coûteux. Voilà, c'est voué à disparaître. Et il y en a un autre.
magazine français qui avait dit de toute façon le online c'est de la foutaise, ça marchera jamais. Bon, c'était à l'époque où ça coûtait une blinde de jeu en même temps, mais. Alors pour l'instant, on a 50-50 entre l'anglais et le japonais. Hein. Non mais clairement, Cyril Drevet, il était depuis le départ et Player One pro PS2. Après, il y a plein de magazines. Alors, je vais un peu spoiler un futur podcast, mais il y a plein de magazines en fait qu'on fait vraiment à la girouette. Ouais, tout est moche. Oh là là, c'est incroyable. Oh là là, elle a de l'avenir. Pourquoi attendre la PS2 comment ça? Pourquoi ça se vend pas alors que les jeux sont super? C'est incroyable. La position de la presse anglo-saxonne, notamment par rapport à la Dreamcast, a été incroyable. Non, Cyril, il est plus... Maintenant, je pense qu'il est plus Sony. Ah, le japonais prend le lead. Il reste 15 secondes pour voter si vous souhaitez choisir une langue. Oui, non, mais enfin, je pense pas qu'il fallait beaucoup accorder d'importance à l'opinion de Cyril Drevet dans le jeu vidéo, moderne ou pas. Clairement, il déteste motion gaming, mais plus que de raison, il joue à Gran Turismo à la croix directionnelle, enfin bon, bref. Écoutez, c'est le japonais qui l'emporte. Très bien, parfait, ça me va bien, comme ça je vais découvrir le dub japonais. Vous n'aurez pas les répliques cultes, mais bon, si vous connaissez pas le jeu, c'est pas très grave, hein. Donc, je vais basculer sur la console en espérant que ça marche. Oui, tout marche bien. Alors, on est le combien aujourd'hui? On est le 14-12. C'est important pour me repérer dans mes sauvegardes parce que... 14-12, allez, 2023, go. Vous avez vraiment tout, là. Il est 20h57. J'ai plus de piles dans la console, faut que je la change, mais... 20h57. Tac, c'est parti. Je crois qu'en fait, j'ai récupéré une version patchée, qui coche par défaut l'option sous-titres. Donc le jeu fait à peu près 20 heures, je pense. Mais si je fais un petit peu en ligne droite, ça va durer moins longtemps. Donc voilà, comme je le connais, je vais quand même pas non plus passer 3 ans sur les machines à sous. Enfin, je vais essayer. Je vais essayer. vas-y, play. Donc oui, j'ai un GDMU, parce que c'est plus pratique. Vous avez le son du jeu, c'est parfait. Donc voilà, sauvegarde neuve, VMU 9, VMU que j'ai créé exprès pour le jeu. Donc ok. Oh, je suis en mode VG en plus. Il y a une intro, non? Oui, il y a une intro, on va laisser l'intro. Longtemps. Merci, merci pour ton gift, Speedrun. Je pense qu'on a atteint l'objectif de sub du coup. On va débloquer les emojis. Merci pour la team. Et voilà, objectif atteint. Ah là là, là là. On passe un cap là. Merci Speedrun. T'es un boss. Écoutez, c'est Noël. Ah, merci pour l'abonnement, Taonu. Vous êtes tous les boss ce soir.
Ah là là, incroyable cette modélisation. T'es obligé de mettre le mode game, que ce soit sur Dreamcast et sur Red Dream. Ah, je vais regarder alors. Alors, option. Oui, mode game, voix on, text on. Mode Shenmue. Game mode. Bah écoute, on va laisser game mode. Stéréo. On va pas se téléporter, on va marcher, hein, après tout. Ces sons, déjà, ça me... Bonsoir, Nakaled. Bienvenue. Oui, il commence un nouveau jeu. Ça fait bizarre de jouer sur un écran HD. Et merci pour l'abonnement, monsieur Barunba. Décidément, ce soir, casse à la folaille. Hein. Et je me suis dit, au début, je voulais faire Zombie Revenge. Je me suis dit, oh, allez. J'ai pas eu une espèce de... J'ai eu une envie de Shenmue. J'ai eu une envie de Shenmue. C'était comme ça, c'est venu comme ça. 20 ans sans y jouer, il fallait que je le relance. Oui, aussi Altered Beast dans les marques déposées, ouais, tout à fait. Ça, c'est étonnant. Et ils peuvent faire un truc super, hein, et ils peuvent faire un truc nul à chier avec Altered Beast. Ça peut être tout l'un ou tout l'autre. Franchement, Sega, embauchez-moi, j'ai plein d'idées. C'est que ça, c'est tellement propre, ça m'émeut presque. Là, je suis en mode VGA et franchement, même sur l'écran HD, vous avez la résolution un peu plus basse, hein. Mais même sur l'écran HD, ça pète quoi. J'hésitais à lancer la version HD, mais j'avais pas envie de jouer à la version HD. Je voulais galérer comme à l'époque avec le contrôle de la caméra aux abonnés absents. Oui, les ST sont en anglais, Kazertox. On peut les avoir en français ? Voilà, merci Anne Orlando pour le sub. Pour le sub. Merci à tous. Ah, dis donc, t'as une version française. Eh ben, moi, je l'ai pas. Bon, tant pis. Tant pis. De toute façon, tout le monde parle anglais ici. Après, si la sauvegarde est compatible, ça m'intéresse quand même de la voir. Tu peux m'envoyer le lien où tu l'as chopé, ça me dépannera. Oh,
Qu'est-ce que c'est beau, quoi. Je répète qu'il y a plus d'avancées dans l'histoire dans l'intro de Shenmue 1 que dans tout Shenmue 3. Hein. Ah ouais, musique et tout. Est-ce que l'image n'est pas trop sombre chez vous? Moi, elle est un peu sombre sur mon retour, mais je pense que c'est mieux chez vous. Merci, Kazertox. Je te serai pour la prochaine fois. Ah là, cette intro quand même. Spoiler, c'est pas ce qu'il va faire. Il y a des gens qui n'ont pas joué à Shenmue là. Est-ce que je peux un peu spoiler dans mes commentaires ou pas du tout? Ou est-ce que je vous... Je vais essayer de me modérer quand même. On sait jamais, il y a peut-être des durcoeurs qui n'auront pas fait le jeu. Et en plus, il pleut, quoi. Non, mais dans ce cas-là, je vais m'abstenir. Fini le 3. Ah, le Warrior. Ah, je me souviens quand j'avais fait la démo du 3 à la Gamescom, je sais plus en quelle année c'était du coup, 2019 peut-être, avant Covid forcément. Et j'étais là, c'est pas ouf quoi. Et à la sortie de la démo du coup, il y avait un mec du staff qui interrogeait le journaliste pour lui demander alors ce que vous en avez pensé. Et ouais, j'étais là. Ouais, les décors sont très très beaux, hein. Les décors sont vraiment très très beaux. Tu t'arrêtes à la Saturne. Ah, en fait, t'es pas un rétro gamer, quoi. T'es un archéo gamer, hein. Allez, alors c'est le moment où, à l'époque, alors, police 110, fire 119, vous retenez le numéro? La méto 177, alors, le miroir avec le dragon a été volé, Landy a assassiné papa. Il avait une robe avec un dragon, un style de combat rare, un tatouage sur son bras. Un aigle sur son blouson, la Malamoto.
Que s'est-il passé ce jour-là dans le dojo? Alors. Ok. Ah oui, c'est que la caméra, c'est le stick gauche. Oula, faut s'habituer. Alors, que vais-je... Vais-je passer l'aspirateur? Non. Attendez. Ouais, hop. Ah, c'est mes coupes d'arts martiaux, ça, en fait. Des cartons et des chaussures. Alors, qu'est-ce qu'il y a à côté? Voilà, attends, ouais, c'est un peu compliqué. Voilà, attends. Faut s'habituer, c'est comme Yakuza Dead Souls. Faut juste s'habituer à la caméra. Des cartons, putain, on dirait mon placard. Des cartons que tu trimbales de déménagement en déménagement. C'est pas beaucoup moins bien que Yakuza, hein, quelque part. Hein. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Ça va me prendre un petit peu de temps pour prendre mes marques, à mon avis. Hein. Je vous cache pas. Non. Ah, ça marche pas, là, dis donc. Je vais pas prendre mes slips. Hein. Sans déconner, on peut pas ouvrir, là? Bah non, on peut pas ouvrir. Bon. Peut-être pas encore. Ryo-san. Franchement, c'est pas plus moche que Starfield, hein. Les BG, hein. Ah, merci Inesan. Je vais les claquer dans les jeux vidéo. Totalement gratuit, j'aime pas jouer au jeu. Hein. Au fait, même si c'est en anglais, c'est quand même. Certaines phrases ont été retraduites hein, pour être un peu mieux, un peu plus claires qu'avant. Attendez. Ah, attends, faut vraiment que je m'habitue. C'est X, hein, le carnet. 500 yens par jour sur le meuble à chaussures. 3,50€. Inesan. Alors, oulala. Alors. Ah, peut-être qu'il faut passer en vue subjective pour activer le... Je sais plus comment ça marche. Olé! Je sais plus comment c'est, c'est B, c'est pas B. Non, ça c'est le carnet. Ah, c'est pas ça, ça c'est. Ah, ça, ça c'est l'inventaire, c'est vrai. Ah, c'est là. Ah oui, il faut passer en vue subjective. Hein. J'avais oublié. Je vais prendre les piles. Hein. C'est avec tout à fait sec, avec R. Hein. Bon, là on voit un petit peu que le jeu fait son âge, mais. Par contre, ce qui n'est pas pratique, c'est de devoir, en fait, voilà. À chaque fois, ça te ressort. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, rien du tout. Là, qu'est-ce qu'on a là? Je sais pas si vous vous rendez compte, mais à l'époque, ça... Vous êtes tous vieux, donc vous savez. C'était le turfu, hein. Bon, j'arrête de prendre le stick. Tic! Hop, on est à la lumière, hein. C'est pas Versailles ici. C'est bien rigide quand même. Hein. Là! Ah, le meuble! Là, ça tourne sous la télévision, bien sûr. En 86. Alors, je sais plus, du coup, je vais retourner dans ma chambre parce que j'ai des trucs à prendre dans la chambre. Ça, je m'en rappelle bien. Attends, là, c'est la cuisine. Attends, je peux ouvrir ma chambre. C'est là? Ouais, c'est là.
Donc. Non, je ne vais pas du tout me coucher. Je viens de me lever. Alors, hop, là j'ai quoi? J'ai mes fringues. T-shirt blanc. Truc de psychopathe quand même. Hein. Oh, c'est pas très Marie Kondo tout ça. Hein. Voilà, des petits mouchoirs hein, pour les soirées solitaires. Alors, tac, tac. Ça, c'est les t-shirts. Ah, c'est des jeans, j'imagine? Non, encore des t-shirts. Des pantalons. Dans Shenmue 3, au moins, on peut changer. On peut pas retirer ça au jeu. Des magazines. Hop, des mangas, de la musique. Encore des mangas. Pas de revue pornographique, donc c'est pas trop mal. Alors, si je vais là. Ah, plus haut peut-être. Voilà. Hop, une petite veste, un petit t-shirt. Bon, rien de spécial. On va aller au bureau. Ça, c'est incroyable quand même. C'est une perte de temps, mais c'est incroyable. Voilà, hop, petite cassette. Je le prends. Bah oui, je prends. Et le lecteur cassette. J'ai des piles, j'ai des cassettes, j'ai un lecteur, on va utiliser tout ça. Petit cahier Master System, vous avez vu. Salut Tony! La photo des copains. Regardez-moi ça. Comment ça va? Encore une cassette! Encore une cassette! C'est rangé n'importe comment, mais celle-là. En plus, cool, c'est que ça me force à utiliser l'inventaire, mais sans enjeu. Genre là, l'inventaire, je vais utiliser les batteries. Alors, attends, comment ça marche? Bah, c'est bon. Mais ma voix est toujours chaude, moi. Moi, je sais chanter, donc je suis sereine. Hein. Je sais placer. Je sais ne pas forcer ce corde vocale et utiliser le coffre. Hein. Donc, je suis tout à fait prête. Faut juste que je trouve par quoi je vais commencer. C'est mon seul problème. Je me sentirais bien plus à l'aise si nous passions en code violet. Évidemment, un petit code violet. Ah, cette musique, elle est incroyable. Que le cabaret est moins bien accueilli mieux que dans le 0. Je trouve que c'est un peu moins élaboré, il y a un truc qui me plaisait moins dans le 2. Peut-être que c'était la redite. Quand j'ai un petit peu enchaîné 0, 1 et 2, ça m'a... Et si je vous laissais comme ça, avec que la musique, hein, ça fera le taf aussi, non? Ah là là, allez. Que Astrala, on va pas réussir à finir le jeu avant le mois de mars. Hein. Bah, y a rien. J'ai tout vidé. Alors, on va explorer un petit peu le reste de la maison pour se fa familiariser avec l'environnement.
Non, mais Shenmue, c'était révolutionnaire et ça l'est encore. Hein. Enfin, ça l'est encore. C'est tellement d'avance sur son temps et ça encore, franchement, visuellement. À part la résolution, évidemment, mais les visages sont ouf, quoi, déjà. Les modèles sont incroyables. Hein. Quand tu vois que c'est un jeu qui a 20 ans, quoi, qui a plus de 20 ans. Ah non, c'est pas Yuzo Koshiro à l'OST, Monsieur Barunba. J'ai pas en tête le nom du compositeur. Hein. Donc là, je pense que c'est la chambre de Inesan. Eh ben là, une chouette, c'est Inesan, hein, je crois. Est-ce que je peux lire le petit panneau? Oh les. Ah, c'est Fukuhara. Il a bon goût, Fukuhara. Ah, on voit que c'est un fan de paille. Il y a un super article de Aftermath, qui est un nouveau média en ligne sur les jeux vidéo. On va fouiller un peu. Qui parle du soin qui a été apporté au décor dans les Yakuza. Notamment à toutes les échoppes, hein, tous les magasins qui sont tous différents, qui ont tous des petits détails vraiment, vraiment attentionnés. Le soin du détail qui a été apporté est vraiment ouf et en plus tu vois que ça évolue de jeu en jeu. Et bah, Shenmue a déjà ça en fait. Mais franchement, dans Yakuza, attardez-vous un petit peu sur les façades des magasins. T'as toujours une petite affiche pour une petite kermesse locale ou des petites annonces. Là c'est Inessan à mon avis. Ouais, est-ce que je vais fouiller chez Inessan? Oui, bien sûr. Y a pas de raison. On fouille partout. Ah, le char élévateur, je sais plus. Non, faut arriver au port, donc à mon avis, c'est CD2. Est-ce qu'elle est culotte d'Inessan? Bonne soirée, monsieur Barunba. Merci d'être passé. Oui, c'est Shenmue 1 par contre, hein, parce que c'est quand on va sur les ports, hein, parce qu'on cherche des marins. On dit, bah, sur le dock, il y a des marins. Et on veut aussi un petit job pour se payer le voyage vers la Chine. Attends, je suis pas assez haute pour retourner à là. Bon. Donc, conclusion, elle ne porte pas de culotte, Inessan. Allez, on y va. Koshiro a bossé dessus. Oh, tiens. Peut-être un peu de petit soutien à ses salons, on s'en fout. Peut-être un support technique. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a par là? J'irai à la fin dans la cuisine. Ah, il y a un truc là. Ah, c'est le bureau de papa. L'écriture. Si je me trompe pas, c'est Fujioka, hein. Hiroshi Fujioka qui double le père de Ryo, hein. Sekata Sanshiro. Ah, une clé. Key, but to what?
かに使うかもしれないな。On voit qu'il y a un jeu de Go. Il y a une table de Go. Qu'est-ce qu'on a encore ? Petite poubelle à papier, des parchemins, pose, des trucs d'arts martiaux. Hein. Des futons. Je vais réussir à me paumer chez moi, je pense. Hein. Ah, l'hôtel. Je pense que j'ai un truc aussi à faire, là. Ouais. C'est quand même marrant parce que jamais dans le jeu, personne n'évoque le fait qu'il y ait une enquête de police, par exemple. Le mec, il se fait tuer chez lui par des mecs chelous avec une grosse voiture noire et... Balek, quoi. Ça, j'en aurais besoin. On se fait des bougies, mais je sais pas. Peut-être pour les bougies, ça me servira dans le sous-sol. Je suis pas sûr. Non, il y a rien. Ah, même les bruitages, ça me ramène. Rien. Bon. Et on ouvre toutes les portes, on s'en bat la race. Là, c'est la chambre de papa. Là, c'est quoi, les toilettes? Pipi room. Mais on ferme derrière soi, pipi room. Ah bah, toilette japonaise à l'ancienne. Hein. Ah, je me rappelais pas de ça. Vraiment la vieille baraque, hein. Bon, le PQ, il est un petit peu octogonal, mais bon, pardonne. Mais ça servira dans le jeu, les bougies. Ah, mais les chats turcs japonais, c'est quelque chose. Hein. Mais au moins, comme c'est, en fait, comme c'est étroit, tu mets les pieds par tes d'autres et du coup, tu te débrouilles. T'es pas moins peur de t'en mettre partout. J'ai horreur de ça, mais... Inesan. Inesan. J'en avais dans une des auberges où j'étais allé la première fois que je suis allé au Japon. Par rapport au Toto, c'est, ça fait un choc. Hein. Inessa n'a qu'à 45 ans, bien évidemment. Ah, une petite scénette, là. Regardez partout, parce qu'il y a une petite scénette. Voilà, petit flashback. Salut Mounir. Comment ça va? Mange tes carottes. Bonsoir Julien. C'est mon anniversaire. «
Voilà les darons du chat, comment est-ce qu'on demande à son gamin de manger des carottes? Pense aux pauvres fermiers qui sont levés aux aurores pour manger les carottes que tu refuses. Écoute, ça va bien. Un peu fatigué, c'est la fin d'année, mais le fait de jouer à Shenmue, ça me ravigote. On la verra, je promets qu'on verra, je promets. Je sais plus quand est-ce qu'on peut vraiment aller en ville. Hein. Parce qu'il faut aller à Dobuita pour voir la bande de Space Arrière. Hein. Donc je suis pas sûre qu'on ira ce soir. On verra. Là, je fouille la maison. Mais écoute, c'est cool si tu kiffes. Ah, bon anniversaire, Julius. Eh, une haie d'honneur pour Julius qui fête son anniversaire, s'il vous plaît. Ça se fête. On demande pas ton âge, hein, c'est mal poli. Ah, bah, ouais, Berk. Julius, Julius. Regardez, un truc dans le frigo. Et c'est important le frigo. Y a pas à manger. Y a pas à manger dans le frigo pour. Je t'assure hein, qu'il y avait des trucs dans le frigo pour le chat. J'aurais rêvé. Alors ça non. Non. Regardez, il y a les couverts, ils ont pris une photo. C'est une photo, hein. Ils ont pris une photo des couverts. Ça m'éclate, hein. Regardez, c'est mal rangé par contre, hein. N'importe quoi. Même pas de range couvert. Cette maison est mal tenue, hein. Rendez-vous compte qu'en 2000, en 2000, quand le jeu sort, hein. 2001, 2000, 2001, je sais plus. On était ouf de voir des couverts dans un tiroir quand même. Il y a un petit côté Tarantino dans Kill Bill, hein, où il dit qu'il dans la caravane du personnage qui est joué par mince Madsen, hein, tous les tiroirs, enfin, il avait rempli tous les meubles parce qu'il voulait vraiment. Regardez, elle est en train de prier, elle fait sa petite vie. Parce qu'il voulait vraiment que ce soit, enfin, que le personnage soit incarné, et pour ça, bah, il faut qu'il ait une histoire. Il faut qu'il ait des meubles, qu'il ait des possessions. La météo. Parce que c'est pareil ça. On a la météo en temps réel, enfin la météo du jour hein, de où se situe l'action. Et ça, c'était incroyable. Attendez. Alors, météo 177. Des cadrans! Et des gens se plaignaient encore que c'était pas assez grand. Incroyable, incroyable. Attendez. Attendez, je vais appeler un copain. Je vais appeler Nozomi. 0468-225508. Alors 0568. Ah, c'est long. 2, 2, 4, 5, 0, 8. Deux, quatre, cinq, zéro, huit. Attends, 2, 2. Quatre. J'ai l'impression d'être un step-dapper. 5. Pas plutôt dans la casse américaine. 0. 8. Ok,
Ah merde, je me suis gouré. J'ai mal noté. Oui, bah ça va. J'ai bien allé au Japon, je suis allé 3 fois au Japon. J'y suis allé en... Bon, du coup, j'ai perdu le numéro de nos amis, attends. 04, je vais le noter. 0468. Ne vieillissez pas, je n'ai plus aucune mémoire, c'est dramatique. 0468. 225508. C'est pas possible. J'ai dû faire la même chose il y a 20 ans, à mon avis. 0468, on disait. Ouais, j'ai mis un numéro de trop. C'est parti. Là, je vois des téléphones à cadran. Il y avait des numéros secrets. Ouais, absolument. Mais franchement, quelle honte. Avec MSA, on a fait une exposition sur le Minitel hein, à la médiathèque d'Arcueil. Et du coup, on a ressorti les vieux téléphones à cadran pour l'occasion. C'était tellement kiffant de faire ça. Bon, j'ai eu ça, moi. Harazaki-ka. Hazuki-kun, t'es bien? Ah, je suis bien. Mais, Ine-san est un peu inquiète. Mais, Ine-san, Harazaki, tu peux te faire un peu de temps? Oui, oui. C'est pas tard à te tromper. Ah, attends, je me suis trompé, j'ai fait 6 au lieu de 7. Ah, tu recommences depuis le début. Bon, allez. On va aller. On avance. Donc, au Japon, j'ai fait. Au Japon, je suis allé 3 fois. J'ai fait 2010, 2012 et 2016. Donc, j'ai fait 2 fois le TGS, 2010-2012, en plus de mes vacances. Et 2016 avec des potes. Et évidemment, c'est formidable le Japon. Hein. Enfin, je pense que c'est pas une position originale de dire ça. En tant que t'es touriste, c'est vraiment un pays incroyable. Hein. Quand vous dites que vos parents, vos grands-parents en avaient, ça me retourne les cuisses parce que retrousse les cuisses parce que j'ai connu toute mon enfance des téléphones à cadran. Ça fait donc de moi. Bah, une vieille personne, quoi. Donc, merci bien. Ouais, au total, j'ai passé... attends, j'ai fait 2 semaines, 10 jours et 2 semaines. Voilà. Donc, 3 fois Tokyo, 2 fois Kyoto, 2 fois Nara, Osaka aussi. Comment dire, j'ai fait aussi... je suis à Hiroshima, Miyajima. On a fait le Mont Koya également. Et puis autour de Tokyo, Hakone, Kamakura, Nikko, le mont Fuji. Donc ouais, il y a beaucoup à faire. J'avais acheté du rétro, ouais. La plupart de mes jeux japonais rétro, je les ai achetés au Japon en 2010-2012. Ça coûtait rien à l'époque. Enfin, en tout cas, pas grand-chose. J'ai fait des super affaires. Je crois que j'ai dû ramener une valise pleine de jeux et de jeux rétro pour moi et des amis. C'était l'époque où tu trouvais genre Sakura Tyson, les 4 Sakura Tyson. À 50 yens, 100 yens. Hein. J'ai eu la chance d'avoir pu le faire à cette époque-là. Mais c'est aussi intéressant de voir comment ça a évolué, parce qu'en mine de rien, en 6 ans, ça a beaucoup évolué. Et c'était avant que... Attends. 2010, c'était avant que je commence à jouer à Yakuza. Par contre, en 2016, j'ai déjà commencé à jouer à Yakuza en 2016.
Et du coup, j'ai pu voir les évolutions notamment de Kamurocho, de Kabukicho, entre mes différents séjours, et voir comment c'était illustré dans Yakuza. 2016, en plus, c'est Yakuza 6, donc j'ai retrouvé de Yakuza 6 après coup, ce que j'avais vu à Kabukicho à l'époque. C'est assez saisissant de reconnaître des lieux que tu as vus dans un jeu vidéo, en fait. Ah mais ouais, une espèce de... Après je dis, enfin j'en parle peut-être, mais je suis avec trois fois, enfin hein, des gens qui sont allés 30 fois dans leur vie. Mais rien qu'en ayant quelques fois, tu vois la façon dont ils sont un petit peu assainis Kabukicho. T'as encore des bars à hôtesses et des salons de massage et tout ça. Mais c'est quand même beaucoup moins ostensible qu'avant. Il me semble que j'ai vu beaucoup moins de rabatteurs, par exemple en 2016 qu'en 2010-2012. Hein. Il y a des enseignes qui ont changé et tout ça. T'inquiète, Twix, hein. Quicks, Benjamin, la vie de couple, avant tout. Ah non, t'en as raté, j'ai vidé la maison. J'ai exploré la maison. Donc, pas de problème. Je sais pas, l'Asie, ça me branche pas plus que ça. Si, peut-être la Corée. Que c'est rigolo, c'est extrêmement outrancier comme pays aussi. Mon collègue y allait pas très longtemps, elle adorait. À part ça, bon. Non, mon prochain, c'est les USA. J'ai jamais fait les États-Unis, il faut quand même que je le fasse avant d'être trop vieille, quoi. Alors. Me balader pour voir si je trouve des gens qui portaient du noir ce jour-là. Ah, trop bien, Benja! Alors, on va sortir, on va demander est-ce que quelqu'un a vu un Big Black Car? Comment on court? Elle. Je me rappelais plus. J'ai pas autre chose à voir, hein. J'ai pas un petit truc à regarder là. Petite cinématique qui m'attend. Le cabanon de jardin. Est-ce qu'on peut ouvrir le cabanon de jardin? Non. On trouvera pas la tondeuse à gazon. Allez, on sort. Ah bah oui. Mais bon, on peut pas non plus y aller partout, hein. Je vois que ma collègue a pas payé si cher que ça les billets, mais elle s'est pris genre un an à l'avance. Donc évidemment. Après le Japon, les billets sont méga chers en ce moment, mais vu que le yen est bas, ça compense un petit peu, je pense. Cette musique, regardez-moi ça, quoi. On voit les pixels, certes. Ah, c'est mes potes, c'est mon pote. La Dreamcast, elle tourne là, hein. C'est elle qui tourne, hein. C'est pas d'émulation, hein. C'est une Dreamcast avec un GDMU. Attention, non, c'est pas là. Ah, tu t'organises autour de ça, hein? Ah, voilà. C'est l'arrivée du chat. Allez, c'est pas fait exprès, je vous promets. Fais quoi, Miyu?
Parce que c'est pas ultra immersif ce stream. Oh non, elle est orpheline, comme Ryo. Viens, ma nanette. Ah, bon, c'est cool. Hop. Je peux faire une Miyukam. L'avantage d'avoir la webcam. Voilà, comme caméra. Alors, du tout. Non, mais putain, c'est pour ça qu'on peut choisir, elle va pas aimer. C'est nul. Je commence très très mal. Heureusement que c'est pas un Tamagotchi. Hein. C'est très très nul. Hein. Mais t'es con, Ryo. Bye bye. Mais c'est le Japon, Quix. C'est le Japon, tu comprends rien. Est-ce que je peux y retourner tout de suite pour lui donner un nom? Il faut attendre. Non, on va pas jouer. You can pet the cat in Shenmue. Oh. Si j'avais le choix. Bon, ça va, je t'ai assez vu. J'ai oublié le système de choix. C'est marrant parce qu'en fait, t'as pas de tuto. Mais par exemple, tu vois, le choix de la nourriture pour le chat, c'est la première fois que tu dois faire un choix dans un dialogue. Ou dans une action, dans un menu. Bon là, du coup, j'ai fait n'importe quoi, mais... T'entends un jeu, Miyu? C'est Miyu, là? Hmm? Oui. C'est Virtua Hunter qui était à Yokosuka, il me semble, qui avait chopé qui a une vraie ville au Japon, hein. Et il compte un petit peu sur le tourisme Shenmue puisqu'ils ont un dépliant publicitaire où ils font le parallèle entre les rues de Shenmue et les vraies rues de la ville. Hein. T'en as marre? Ah, alors, qu'est-ce qu'on dit? Non, il ne boit pas Coca-Cola. Sumiya-san peut savoir quelque chose. Bah, reçois Nintendo. J'ai fini Land Stalker, ouais, ça y est, je suis débarrassée. Alors, je sais pas qui c'est ce Miyasan. Ah, attends, moi je viens d'où, là? Tu sais rien, toi, bien sûr. T'es nul, hein. Ils veulent tous faire du catch, ces gamins, dans ce pays, c'est quoi ce travail, hein?
N'importe quoi. Ah oui, moi je viens de là. Ouais, d'accord. Bon, on va marcher tranquillement, hein. Oh non, je viens de là. Mishima. Ara, Hatsuki-kun. Nani? Ah, attention. Et donc, notez que cette version undub rétablit les marques de boissons dans le distributeur. Je vais donc prendre un petit Coca-Cola. Cul sec. Ah bah écoute, je vais essayer de télécharger et voir si la prochaine fois je ferai en français. Ah! Ah mais la nuit tombe, bien sûr. Je sais plus qui avait dit un jour que le Japon, t'as deux genres d'architecture. T'as le vieux bois et le béton moche. Et là, t'as les deux. Allez! Un petit Akira, un petit Kiki. C'est quoi? Wolf! Oui, c'est dans le futur. Hein. Non. J'ai pas tout claqué, excusez-moi. Un gars chapon. Il n'y a pas des BZ. Oh, une petite amie. Oh, c'est ça. Ah là. Non. Du coup, c'est fermé là, je pense. 19h. Hein. Ah non, c'est ouvert. Ah non, 7h30. Vache, j'ai rien foutu. Alors, petit morveux. Il y a des gens chez eux, pas. Je peux rentrer chez les gens? Non. Enfin, si, je peux, mais ça me sert à rien parce qu'il n'y a pas de gens de toute façon. Ouais, personne. Ah! En même temps, comme il fait nuit, je pense qu'il n'y a plus les gens dehors qui vont m'aider en fait. Bah oui, entraînons-nous. Voilà, un peu de bagarre. Alors. Mais non! Continue! Hey! En fait, au départ, il faut faire un peu au pif. Hein. Attendez, ça c'est les skips, ça c'est les points, ça c'est la chope, ça c'est les pieds. Voilà, Dark Moon, c'est le Dark Moon, c'est le mouvement à la fin du jeu. C'est le mouvement à apprendre. En fait, une fois que tu as pris un mouvement, quand tu le pratiques plusieurs fois, tu l'améliores. Hein. Oh, c'est dans mon ADN. Hein. Hala! Hala la la la! Thunder Kick, pareil, X-Kick, marche super bien.
からー。ah, je vais peut-être pas sortir du parc quand même. Ah bah, ça les coups. Alors. Arrière avant X, arrière avant X. Et en fait, vous n'allez pas voir parce que voilà. Mais en fait, le mouvement s'affiche sur l'écran du VMU. Alors qu'est-ce qu'on a là par exemple? Je vais essayer de maîtriser un peu plus sur l'arrière-avant et l'avant-arrière. On va essayer de le monter un peu par exemple. Attendez. Je suis un peu limite. Pas le meilleur endroit pour s'entraîner. Le parking c'est mieux. Ouais, ça suffit. Et oui, c'est cool le F3TB. Voilà. En fait, voilà, ça c'est le niveau 1. Et au niveau 2, on gagne encore. Hein, et plus 3, après on gagne en... On gagne en skill et on peut attribuer un coup un peu complexe à la touche R si on veut. On peut mettre des macros. Et ça, vraiment, c'est une super idée. Pas comme ça que je trouve mon père, que je trouve qui était mon père, mais au moins... un peu des biscottos. Alors. Ah non. Je pense qu'il est trop tard. Il est trop tard à mon avis, parce qu'il n'y a personne dans la rue là, en fait. Je pense que je vais aller me pioter. Après, c'est vrai que dans les campagnes, je me souviens que quand j'étais allé à Hakone, qui est une ville thermale à côté de... pas si loin de Tokyo, à 19h30, tout était fermé, y compris les restaurants, c'était hallucinant. Je me suis retrouvée à m'acheter des gyoza dans un combini et à manger dans mon hôtel comme une pauvre malheureuse. Ah, attendez. Ah, ta 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 ta. Là, ici, il y a un plan. Alors, qu'est-ce qu'on m'a dit, là? Sumiya-san. Sumiya. Eh ben, c'est tout au fond. Gna. Bah, c'est juste après être parti, en fait. Sumiya-san. C'est là, non? Ou je fais n'importe quoi? Yamagishi. Pas du tout. Pas du tout. Alors, évidemment, je me perds tout le temps dans les jeux vidéo. Hein, donc, Yamashigi, attendez. Comme ça, je serai pour demain. Ah, c'est à l'opposé, d'accord. Je suis là. Je vais derrière, puis à droite. Ah oui, c'est là. Tac, tac, tac. T'es qui, toi? T'es un poivreau, toi. Franchement, à Kone, à 19h, tout est fini. Hein. Par contre, oui, je fais une jeu cool la nuit, c'est super. Osaka, la nuit, c'est super. Vous voyez? Le petit tips, là? La petite astuce intradiégétique. Attendez, je vais quand même vérifier où est la maison. C'était par là. Hein. C'est la dernière maison normalement. Sumiya. Ok, bah demain je serai où aller. Toi tu rentres du taf. Allez. Oh, petit minou. J'ai un pour toi, cocotte. Ça me fend le cœur.
En plus, c'est quand même vraiment cool d'avoir un open world sans collectibles, sans petits points sur une carte. Juste, tu fais ta life, quoi. T'as pas de pression des 100%. T'as pas de quête annexe. Ou presque, pour ainsi dire, pas. En plus, l'avantage de passer me coucher, c'est que demain, j'aurai re de l'argent de poche. Ça, c'est cool. Première save, hein. C'est un petit peu long. Après, c'est beaucoup plus court. Et on peut également choisir un mouvement à entraîner durant la nuit. Par exemple, là, je vais choisir d'entraîner les mouvements de main, oui. Et oui, un mouvement spécifique, hein, qui est très très bas. Par exemple, celui-là est pratique, hein, il est très puissant. Bon, je vais entraîner celui-là, dans mon sommeil. Dans le stalker, je crois que j'ai mis 11 streams. Donc un peu moins de 22 heures, quoi. Ce qui est pas si mal, hein, mais sans les save stats, hein, franchement, j'aurais mis le double. Enfin, non. Sans save stats, j'aurais pas fini. Clairement. J'aurais lâché l'affaire. Sans save stats, sans rewind. Hey! On peut pas l'envoyer chier. On a de l'argent de poche jusqu'à la fin avec Kinesan. Par contre, il y a un truc. Il me semble qu'il y a un truc. Je me demande si quand on rentre trop tard le soir. Ah non, parce que de toute façon, on récupère l'argent de poche le matin en partant. Ah, un chat. Voilà, juste un chat. Attention. De toute façon, on a un petit job, donc... T'as vite un petit job, du coup, l'argent n'est plus un problème. En fait, tu peux... Il y a une date limite pour finir le jeu. Si on traîne vraiment, vraiment trop, au bout d'un moment, t'as une mauvaise fin. Parce que lundi revient et te bute. Et c'est genre en avril, hein. Alors qu'on commence en novembre. Hein. Donc en fait, voilà. Jamais je m'arrêterai pas pour caresser le chat, je vous préviens. On peut pas courir dans l'enceinte du temple, au fait. Je trouve ça génial. Alors, on avait dit Sumiya. Sumiya, c'était... Ah, non, avant d'aller voir Sumiya... Je vais quand même demander aux gens qui bossent là. Je vais enquiquiner un peu les gens. Je vais quand même m'acheter. Avant d'oublier, je vais aller faire des emplettes pour le chat. Ah, Ryo! Il y a une figurine de Ryazuki qui est vendue par je sais plus qui, et elle franchement,
C'est pas formidable. Bah, chez Sega, on la trouve d'ailleurs. Hein. C'est de l'airsoft, ça. Hein. Petite voiture. Petite maquette. Hein. Pistolet à bouchon. Chocolat, squid legs, salami. Alors les friandises avec une chinoise donnent le droit de tirer, de participer à une loterie. Je prends du salami pour le chat. J'ai les moyens. Kore. Bonne série, Knucklehead. Passe une bonne soirée. Merci d'être passé. Alors, c'est un peu relou de faire l'aller-retour tout le temps, mais sachez que dans Shenmue 3, c'est pareil. Dans Shenmue 3, on peut acheter qu'un seul objet à la fois au magasin, et à chaque fois, on s'en tape le petit babla du vendeur qui dit « Hello, Ryo !» Alors, regardez les petites figurines. Non, je vais pas te parler. Les petites figurines VF qui sont là. Regarde comment c'est trop mignon. Non, pas ça, pas ça. Ça, là. Regardez. Elles sont là, là. Je pas, j'ai de surprise avec Wolf et tout. Truc de pêche aussi. Moi, ce que je veux regarder, c'est ça. Les récompenses. Tu veux regarder les récompenses? Je pense qu'elle va me parler d'Elo. Non. Ah. Écoute, toutes mes condoléances à Orlando. Courage à toi et à ta copine. J'arrive pas à voir le... Je vais prendre des chocolats maintenant. Ah voilà. Donc, différents lots. Je peux gagner un gachapon, Rent a Hero, A360 ou Bronze Bros. Petite figouze, dirigeant de Sega, ça c'est génial. Ou un Dural. Et c'est pas ici. Je pense que c'est du coup dans le Tomato qu'on peut gagner des jeux Master, des jeux Saturn. Enfin, ma Saturn. Entendons-nous bien, c'est pas de la Saturn, mais... Chocolat. Merci Nakalada. Merci pour les stats. Vous me dites top? Ah, non, trop tard, il tire tout seul. Oh, un petit lot! Cool! Oh! Je prends le Harrier ou je prends le Harrier, non? Non, A360. Yes! Trop stylé! Allez, un petit caramel. Si on s'en va, on va quand même enquêter sur la mort de mon père, hein, je vous rappelle. Ou des chips. Des chips! J'arrête là parce qu'après j'aurai plus de sous. Il est quand même stylé ce blouson. Allez, 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 allez! 5. C'est quoi 5? Ah, un cachapon random. Bah ça va, c'est mieux que rien. Un petit wolf. J'ai déjà. C'est abusé.
Attendez, je sais plus comment je vois ma collection de trucs là. Attendez, comment est-ce que je... Je sais plus, mon inventaire. Hein. Ah oui, voilà, du coup j'ai appris le leg move. Je sais plus comment est-ce qu'on... Ah, c'est là. Tokens, collection. Ah non, j'ai Wolf et j'ai Kill Wolf, d'accord. Cette beauté. Ah, je suis contente. Allez, casse, on va enquêter. On a discuté des jeux d'arcade de Sega avec Parker Retro Bonheur sur sa chaîne YouTube la semaine dernière. C'est super cool, donc si ça vous branche, voilà, je vous invite à regarder l'émission. C'était plutôt rigolo à enregistrer. Enfin, c'était un live en fait. Ça va, écoute, mon père est mort, je suis orphelin, j'ai plus moins de subsistance à la maison, mais tout va bien, nickel chrome. Parfois je suis invité à des émissions et j'enregistre par temps en temps, pas souvent, les podcasts avec la case rétro. Ah si, j'ai fait aussi l'émission hebdomadaire de Game Cult pour les 35 ans de la Mega Drive il y a un mois. 3 semaines, un mois. Un mois et demi. Putain, ça passe vite. Ah mais c'est lui en fait. Ah non, c'est lui, c'est le petit vieux. Hello, Ryo. On serait de l'ambassadeur. Parker, c'est sur YouTube. Je sais plus ce qu'il m'a dit. Alors en fait, le VMU2, tu peux créer des VMU supplémentaires. C'est-à-dire que tu mets ta carte SD et tu peux créer autant de VMU que tu veux à l'intérieur. Et après, tu bascules d'un VMU à l'autre, hein, avec un petit bouton pour accéder au menu système. Par contre, après, pour le transfert, hein, il faut soit le faire depuis ta console, donc soit depuis le menu de la console classique, soit depuis un utilitaire, hein, comme Dream Explorer, hein, où tu retires la carte SD de ton VMU, tu mets dans ton PC, et après, tu utilises VMU Explorer pour déplacer les fichiers d'un VMU virtuel à l'autre. Je sais plus ce qu'on m'a dit du coup. Soumi-Hassan, c'est pas. Attends, c'est qui Soumi-Hassan déjà? Je sais plus où c'est. Ah, c'est après la cabine téléphonique? Ah, c'est là. Non, pas du tout. Oh. C'est là. La commère. Et comme tu peux renommer en fait tes VMU comme tu veux, c'est assez pratique. Moi j'ai créé un VMU bagarre, un VMU aventure, un VMU Shenmue, un VMU Kikayo. L'avantage d'avoir plusieurs VMU, c'est que tu peux. Vu que les mini-jeux prennent toute la place sur un VMU, on peut en avoir qu'un seul, hein, par VMU, tu peux créer un VMU par jeu si tu veux. Peut-être avec 32 gigas, après, bon. Naviguer, c'est pénible. Mais bon, déjà, avec 5-6 VMU, t'es pas mal, quoi. Pauvre petit chat. Yamagishi-san, j'en viens. Donc j'aurai pas à galérer pour trouver qui c'est. Merde.
J'en viens, ça empêche pas que je sais plus où il est. C'est pas possible. Ah, une quête annexe. Tajima-san, desu ne. Sou desu ka. Yamamoto-san no otaku ni ikitai n desu ga, nani gonmei ga warukute. Wakarimashita. Ore ga sagashite kimasu. Quel bon garçon ce Ryo. Suimasen ne, go shinsetsu ni. Yoroshiku onegai shimasu. Ce petit mulet là en plus. Yamamoto. On va voir le plan. Allez. C'est juste en face du parc en fait. C'était pas loin, hein. Où est la vieille? Où est la vieille? Bah. Elle est partie? Baf. Ah, elle est dans le parc, elle est dans le parc. Suis-je bête? Elle allait s'asseoir. Je vais leur causer à eux. Hirano, senpai. Jiken no hi, kuroi fuku no otoku wo minakatta ka? Sanggrasu mo shiteru yatsu nan da. Yuki no hi da. Oboete nai ka? Mite nai desu ne. Sou ka. Suimasen. Ça sert à rien. Iya. Oba-san, mitsukarimashita yo. Sou desu ka. Arigatou gozaimasu. Il y a qu'à me doubler en japonais, hein. Il a un peu plus de caractère, hein, dans la voix. Franchement, c'est un fils indigne. Hein. Alors, on avait dit donc Yamagishi-san qui s'est blessé au dos en esquivant la voiture. Et qui va quand même cueillir des rien du tout. Pas trop les papiers là-dessus. Oh, c'est bon. ドブ板。ナンバーとかは。何しろあの雪じゃったからな。深くにも転んでしまってそれどころではなかった。そうですか。 ça avance. Allons de bouillie, t'as tout de suite. Hein. Ah oui, est-ce que je vais pas donner plutôt à manger au chat? Pendant qu'il fait jour. Hein. Oh, il fait encore bien jour là, on a le temps. Même sur un petit time skip, le temps d'aller à de bouillie, voilà, c'est ça va. Les vraies questions. Tu me poses pas, toi. Ah! Des délinquantes.
Voilà, super, merci bien, mesdames, mesdemoiselles. Le bruit des oiseaux. Ouais, personne ici. Attends. Non, on va pas frapper chez les gens. Mais on peut frapper chez les gens, hein. Il se passera juste rien. Oui. On peut grimper l'escalier ou pas? Oui, on peut grimper l'escalier. On peut grimper l'escalier. Le pouvoir de Shenmue. Tu penses qu'à 13h les gens ils sont pas chez eux parce qu'ils bossent, hein? Parce qu'ils sont à l'école à Rio, hein? Où tu devrais être, hein? Vu que t'es un lycéen. Oh, c'est quoi ça, dis donc? Pas du tout un Yakuza. Shopping Street. Let's go. Du coup, je parle au Tomato Store. Hein. Tomato Store, c'est là? Je sais plus. Pour tirer au sort déjà Master System. Enfin Saturne, enfin bref. Attention. Non, il n'est pas là. Et c'est là qu'on va rencontrer nos amis. J'aime bien le mec. Nos amis, Aida Fleuriste, c'est quasiment ta meuf. Pourquoi t'as besoin de noter où est-ce qu'elle travaille? Pas bon. On va pas... bah elle est là. Elle est là, nos amis. Avec son petit pull là. Je dois juste faire des boucles des personnages en plus. C'est quand même pas si élaboré que ça finalement. Pour l'époque c'est ouf mais... Des Premonition style quoi. Sérieux, voilà, Claude. On peut l'avoir, la culotte de nos amis ou pas? C'est important. Ouais, mais je vais poser la question au maraîcher. Qui vend quoi d'ailleurs? Qui vend du daikon, des carottes, des tomates et des salades. Ouh, ça ramouille un petit peu là, on sent que la console est au bout de sa vie. Ah, tu me meurs cher, autant, madame, autant pour moi. Elle est là, Nozomi, derrière toi là. Mais bon. Tomato. Vas-y, rentre dans Tomato.
Regardez ça, regardez ça. Mais quel bonheur. Ah là 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 là. Ah, ça j'en aurai besoin. Alors ça, après, regardez ça, des cassettes qu'on peut acheter, ça je vais quand j'aurai plus de sous, des batteries, ah, batterie AA, ça j'en aurai besoin aussi je pense. Pas de pressé quoi, mais... Est-ce que je dois acheter une lampe ou est-ce qu'il y aura une lampe à la maison? Je suis pas sûr qu'il y ait une lampe à la maison. Bon, 500 yens, franchement. Je vais l'acheter, hein. Ah, ça file vite quand même l'argent. J'adore le fait qu'ils aient mis des pubs, que c'est le président de Sega qui vend des piles quoi. J'ai déjà du... Oh, du thon, il va adorer... Ah, Tama va adorer le thon. Ça va être Tama, je pense, le nom du chat. Je vais prendre un petit caramel hein, pour tirer un lot au sort quand même. Ce qui est marrant avec Shenmue, c'est qu'en fait, tu développes vite des routines. Hein. Nourrir le chat, faire un petit câlin au chat, passer à acheter un petit chocolat chez la vieille, tirer pour tirer un truc au sort, acheter un petit gâchapon, faire un tour à la salle d'arcade, t'entraîner un petit peu. Ça vient hyper vite. Hein. Ah, j'ai rien gagné. Deg. Ça va rien dire du tout, cocotte. Je cherche du coup l'affichage avec les prix. Va-t'en, toi. Je vais prendre du lait aussi, en fait. Je pense. Mais bon. Je vais pas en prendre. Hein. Je veux juste voir ce que je peux remporter. Voilà, c'est là. Alors, gros lot. Lecteur cassette. Hein. Boombox. Hein. Deuxième lot, des jeux. Troisième lot. Des jeux. Gachapon, un peu nul. Ah, c'est pas Sonic. Quand même pas dégueu. Allez, on s'en va. On va peut-être faire un petit peu d'arcade avant d'aller voir Tom. Si je peux. De toute façon, il est pas là. Je crois qu'il y a rien. Il y a de l'action par là, mais c'est pas... C'est pas là qu'est le scénar pour l'instant. Ah, c'est le casino, donc j'irai quand j'aurai des sous. Là, il y a un bar où il y aura de l'action plus tard aussi. Non, mais 20 ans après, je me rappelle comme si c'était hier. Hein. C'est affolant. Non, non, c'est après les jobs. C'est après. Mais c'est la vie. L'enquête avance à une vitesse. L'antenne.
Camille, où vient ? J'adore, mais attends. Il parle chinois, demande à un chinois. Bah oui. Merci Tom, t'es un vrai bro. Écoutez, je vais direct, hein. C'est en face. C'est on dirait OSS, tu sais, quand il demande s'il n'y a pas des nazis au Brésil, quoi. Il n'y a pas une espèce de d'amicale ou d'association de personnes chinoises Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Ajichi, restaurant chinois. Que puis-je faire ? Rien, je ne peux rien faire. Hein. MB. Alors, on avait quand même dit qu'on irait faire un peu de jeux vidéo. Hein. C'est par là. Alors, attends, je sais plus où c'est le jeu vidéo. C'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Attends, je sais plus, non ? Tomato ? Viens, ma nanette. Là, c'est le surplus militaire, la petite boutique de fringues. Les jeux vidéo, voilà. Faut aussi que je trouve le parking où on peut s'entraîner le soir. Attends, je vais voir trouver le parking. Ah bah, c'est là. C'est là pour l'entraînement. Allez. Un petit jeu vidéo, là. Ah bah, non, pas du tout. Un petit gachapon avant. J'ai craqué 3 jours d'argent de poche en une seule journée, hein. C'est n'importe quoi. Mais c'est que le début, hein. C'est quoi là ? Oh, Night School ! C'est un peu dur de se mettre en face. Ah. Bien sûr, un petit VF Kids, évidemment. Bon, Miyu, tu fais quoi, bébé? Tu te poses pas? Elle va aller se coucher, elle. Allez. Mais merde. Pause. Voilà, c'est bien. C'est nul, hein. Un bout tombé. Allez, un petit jeu vidéo là. Et voilà, c'est le début de la perdition. Je pense aux voix anglaises qui sont extrêmement caricaturales. Il parle un comme ça. Alors oui, bonjour, les jeux vidéo, je suis trop bien. Ah, cette salle. Idée de Lego ID, la salle d'arcade de Shenmue, avec toutes ses bornes. Qu'est-ce qu'on a là? Attendez, je suis paumé. Hop. Water match? Je sais pas ce que c'est. Bon, flicky, évidemment. Espace arrière est là aussi. Une vieille borne hors service. Les fléchettes. Le jukebox. Espace arrière. Super hangon. Une petite borne cocktail. Ah, y a trop de trucs! Allez. Je craque l'argent de poche. Quelle heure il est?
Eh ouais, allez un petit gant, allez un petit hang-on, allez, allez là. Là, ah là là, mais quel plaisir. Oui, juste un crédit. Juste un crédit. Comment ça se joue? Écoute avec la gâchette. Ah ouais, il y a un peu de lag, il y a un peu de lag. Oh, il y a un peu de lag. Il y a un petit peu de lag. On peut jouer avec le stick? Ah, au stick, c'est bon. On peut jouer au stick. On peut jouer au stick, c'est bon. Au stick, c'est bon. Ah, connard! Je suis nul, hein, Angon, hein. Jamais été très forte. Hein. Je passe même pas le checkpoint. Mais bon, fallait le temps que je me... Voilà. On verra la prochaine fois, c'est pas grave. Fallait... Voilà, je savais plus qu'on pouvait jouer au stick. Donc, c'est pas grave. Je vais quand même mettre mon nom. Comment ça marche? Voilà, comme ça. Allez. Comment ça marche? Ah, bah je sais plus. Ah, c'était pas d'accord. C'était avec... Ok. Bon, c'est pas grave. C'est pas ça l'air, ça ira mieux. Space Harrier. 1回 100 yen. Là, ça devrait aller mieux. Je connais un peu mieux le jeu. C'est plus mon type de jeu, ça devrait le faire. Non, Miyu. Par contre, c'est le mode de contrôle où on revient au centre quand on lâche le stick. C'est un peu déstabilisant au début. Oh non, mince. Pas vu. En fait, c'est de faire des rotations tout le temps, il faut être tout le temps en mouvement et c'est assez facile, enfin, c'est facile, plus facile d'esquiver les projectiles comme ça, comme ça. Par contre, le canal carpien là. On est bon là. Que le score augmente même si on tue personne. Hein. Le fait de survivre est déjà un exploit. Ah merde. M'a pris un rocher.
Get Fred. Ah bah, c'est nul. Ah, c'est très nul ça. On a encore une, à Game of Thrones. Pas si mal. Non? Ah, c'est comme ça là. Bon, ben là, on met le bon nom. Pas tard à te tromper parce que t'as pas beaucoup de temps pour mettre ton nom. Bon, c'était pas si mal, hein. Allez, une petite fléchette. Hein. Le temps passé sur les fléchettes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et donc, en fait, avec le mode online, hein, intégré grâce au mode Dreamcast, on pouvait mettre ses scores en ligne, hein, et voir son classement. Alors, comment ça marche? C'est plus sûr quand il daigne passer devant la cible, je pense. C'est pas mal, 19. Ah, il y a plus de temps, c'est vrai. Ah! En fait, pas viser, faut juste attendre que ça passe là où il faut, quoi. Ouais. C'est pas ouf. Oh! Yatta. Allez. Ah, c'est con, j'étais juste devant. Faut être au taquet, hein. Ah, dommage. Je pense qu'à l'époque, je savais pas qu'on pouvait faire les triples. Du coup, j'ai dû viser que le centre à chaque fois. J'ai pas dû faire les meilleurs scores possibles. Eh, hey, un jeu bonus. Ça peut durer des heures comme ça, hein. Oh oui! Oh yes! Triple 20. Enfin, je pense qu'on peut avoir juste une seule partie bonus, hein. Miyu, t'es devant. Moi, je vise 60, je vise que triple 20 ou 50, moi. Ça va vite, là, hein. Ça va vite, hein. Bah. 20. C'est pas si mal. Ah, je passe. Encore une. Ça aurait pu être mieux. Tu bouges, Miyu? Miyu, arrête. Elle... Ah putain, je... Elle est dans mon coca. Est-ce qu'on passera les 400? Ah oui! Yes! Les 500? Non, 500 c'est mort. Mais bon. Pour un retour, c'est honorable. Je vais te prendre un cachapon. Hey.
Domo. La classe. Allez, on va faire le tour des jeux, puis on s'arrêtera là pour ce soir. Il nous reste QTE, Excel QTE. J'ai passé des heures sur cela. Allez, je craque tout là. Ah, c'est X, A et B, je crois. Au début ça va. Après il y a des pièges. Je suis en apnée là. Ça va arriver dans le piège. Ça pousse un peu vite, hein. Et en simultané. Ah putain, mais XB, XB. Position.
putain! Ah, trop lent. Trop lente. Je fais mieux que ça d'habitude, hein. Enfin, j'ai pas... Des fois, au bout d'un moment, t'arrives, t'as un piège, t'as une qui se lève et c'est pas la bonne, et faut taper la deuxième. Je suis pas arrivé à ce niveau-là. Mais bon, déjà, petite récompense, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, Cutie, Excite Cutie 2. Qui est horrible, mais que j'adore. Ah, mais n'importe quoi. C'est comme dans Natsu Demiku en fait. Faut pas que je fasse ça. C'est tellement le stress ces jeux là. On aura des solus maintenant. Mais bon. Oh non, monsieur, je l'ai fait! J'ai fait une diagonale, j'ai fait une diagonale. Avec un stick arcade, c'est plus simple de faire des directions sans se tromper. Ouf, attention! Test de réflexe. Y, saloperie. Le Y, c'est vraiment dégueulasse. C'est...
Ah non, voilà. Ouh. Là, c'est dur, hein. Bon. J'ai un petit cadeau. Quand même. Hein. Oh, c'est facile. Hein. J'ai pas eu de petit cadeau. J'ai pas de petit cadeau. Bon, bah écoute, va te faire foutre. Du box, on verra plus tard. J'ai plus de thunes, hein, de toute façon. Là, il fait nuit. On rentre avant 23h chez soi, on se fait gronder sinon. Non, quand on n'est pas dehors, hein. Quand la nuit tombe, on n'a pas l'animation en fait. Le restaurant, il a dit que c'était près du drugstore. Hein. Alors je pense qu'il. À mon avis, il pense à. Au Tomato Store, à mon avis. Je crois que c'est une petite rue. Est-ce que c'est pas une petite rue à côté du Tomato? Je vais demander à lui si c'est où c'est le restaurant. Tu vas te beurrer la gueule, qu'est-ce que tu vas faire à cette heure-là? Ah, c'est là, c'est lui. Ah, c'est le restaurant! C'est mon restaurant, ça! Mais il est fermé! Ah, 21h, c'est trop tard. C'est trop tard, c'est fermé, je tournerai demain. Là, je vais rentrer chez moi. Et je vais me coucher. Et je vais sauvegarder. Et on finira, on continuera une prochaine fois. Non, alors avant, entraînement. Un petit peu de training. Avant d'aller se coucher, pendant que j'ai un petit peu le droit. Juste une petite session rapidement. Ça passe vite, hein. Voilà comment on rentre dans un vortex dans Shenmue. Il y a un troisième parc où on peut s'entraîner dans Dobuita. Un petit endroit minuscule, hein. Voilà, c'est ça. Attendez. Ah, c'est pas mal, ça a bien augmenté en fait, hein. Ça, c'est indispensable. Ah, nice. Je suis le roi du cabaret maintenant. Fais penser, faut que je fasse le scénario de Majima dans Kiwami 2. Je l'ai jamais fait, en fait. Le petit move d'Akira, là. Ah, cool, un nouveau mouvement. Le Brutal Tiger. Oh, ça c'est cool. Ouais, c'est bon, je rentre chez WAM. Ah, t'es déjà VIP, Kazertox. Bon, je pense à vous retirer VIP au bout d'un moment quand même. Ok, bah je retiens pour Majima. De toute façon, ça dure quoi? De 3 heures, non, j'imagine. Hein. Un truc sympa, c'est qu'en fait, on peut courir en juste maintenant la gâchette. Et on peut lâcher la croix. Eh ben j'y vais, ça va, y'a pas le feu au flac. Hein. 2h30, parfait. Ça me va très bien. Petit après-midi tranquillou. Allez, on rentre à la maison.
Est-ce que je peux quand même nourrir le chat? Je vais quand même nourrir le chat. J'ai le temps de nourrir le chat. Il n'aura pas de nom pour l'instant, mais je peux nourrir le chat. J'ai de quoi faire. Hein. Non, elle n'a pas froid, c'est un chat. Mais non, elle n'a pas froid. Non. Comment on donne de l'argent? Comment on donne de la bouffe? Plus tard. Ah, c'est là. Tes salamis là. Allez, Cassos, avant de nous faire disputer par Inesan. Cours, 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 Ryo, cours, cours. Rentre à ta maison. Je suis presque en retard. Ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça le fait, je suis dedans. Enfin, je suis dans le jardin. Je vais me faire gronder, je vais me faire gronder. C'est bon, je suis dedans. Nickel, pile poil à l'heure. Hein. Parfait. Ah non. Ah, tadaima. Regarde, t'as vu? Il est 11h, je suis à la maison. Allez, on sauvegarde. On sauvegarde et c'est fini pour ce soir. Merci. Merci d'avoir été présent pour cette première partie de Shenmue. Peut-être que je ferai un deuxième stream mardi avant le stream de Noël. Le stream de Noël qui aura lieu mercredi soir. Hein. C'est mercredi qu'on va jouer. Mercredi, on joue à ça. Densha Dego sur Saturn avec le contrôleur. Machine originale, bien sûr. Donc merci à tous, merci pour les subs, pour le train de la hype, tout ça. Vous avez été super ce soir, merci d'avoir été aussi nombreux en plus. On va faire un petit... Est-ce qu'il y a des gens que je peux raid Il y a Taline en ce moment. Mais écoutez, on va raid Kamui Robotics qui stream Astral Ascent. Allez, c'est parti pour Kamui. Toc. Merci à tous, passez une bonne soirée, amusez-vous bien, prenez soin de vous, remontez les besoins, il fait froid le soir, il pleut, prenez les parapluies. On se retrouve dimanche pour Endless Dungeon, et puis à nouveau mardi pour la suite de Shenmue. Ciao, ciao!